Bonjour tout le monde et bienvenue à la question métier à CRFRH 88.1 et 106.7. Mon invité aujourd'hui est Dolores Gosselin de Stroudsburg, Manitoba, et membre de l'Union nationale francophone du Manitoba. Bonjour Dolores, comment ça va? Va bien. Bonjour à toi aussi. Bonjour. Avec une couple de questions. On va commencer avec quelques questions. Et pourrais-tu nous parler de tes ancêtres, d'où qu'ils viennent, qui sont-ils, comment ils ont arrivé au Manitoba, des affaires comme ça? Mes ancêtres Gosselin, ben, tous mes ancêtres viennent du Québec et avant ça de la France. Et mes ancêtres Gosselin, à Québec, dans le Vieux-Québec, il y a une maison Gosselin. Ça, c'était la maison de mon ancêtre qui s'appelait Gabriel. Alors, c'est le premier Gosselin qui est venu au Canada. Et ma grand-mère Gosselin, c'était une Malo. Puis mon arrière-grand-père, qui venait du Québec aussi, s'appelait Louis Malo. Puis c'était le premier pionnier à Saint-Malo, mais au début, il n'y avait pas de paroisse. Puis finalement, quand il y a eu assez de personnes, ils ont établi une paroisse, puis ils l'ont appelée Saint-Malo à cause de mon arrière-grand-père Louis Malo. Du côté de ma mère, c'est Perrault et Larivière. Et puis dans la généalogie de ma mère, il y a trois femmes Cree. Et puis les femmes Cree, on ne connaît pas leur nom. Dans la généalogie, c'est juste écrit femmes Cree et c'est tout. Et puis, il y avait une femme qui venait de la tribu des Sauteux. Puis, elle, ils l'ont baptisée, puis ils l'ont appelée Marie Sauteux. Mais elle non plus, on ne connaît pas son vrai nom. Alors, ça, c'est mes ancêtres. À part de ça, mon arrière-arrière-grand-mère à la cinquième ou sixième génération, je pense, c'était la sœur de la mère de Louis Riel. Alors, c'est ça nos liens métis. Wow, ça c'est intéressant. Puis pour toi, c'est quoi être métis? C'est une bonne question. Être métis, premièrement, il faut reconnaître son identité. Il faut reconnaître qui on est, puis être fier du fait qu'on est métis. Puis pour moi, être métis, c'est être généreux, partager, ne partager pas, pas prendre beaucoup, 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 puis pas en laisser pour les autres. Là. C'est un partage, puis c'est quelque chose que mes parents m'ont enseigné, le partage. Souvent, on avait des hommes qui passaient, on avait une ferme laitière, et puis souvent, on avait des hommes qui passaient, puis qui demandaient à coucher. Et puis, ma mère, elle leur donnait des couvertures, puis ils se couchaient dans la grange à foin pour la nuit. Alors, c'était une façon d'accueillir les gens, puis de ne pas passer de jugement contre les autres. C'était ça. Bon, c'est ça. Oui. Puis, chez vous, les traditions métis, c'est quoi? Puis, avez-vous des traditions spéciales comme métis? Pour la nourriture, je ne me souviens pas tellement. Je pense que c'était plutôt la nourriture des Canadiens français, comme les tourtières, des boulettes, des choses comme ça. Mais ma grand-mère, elle faisait un smudge tous les jours. Et puis, mais elle ne nous a pas dit que c'était un smudge parce que moi, je n'ai pas su que j'étais métisse avant l'âge de 40 ans. Parce que quand on allait à l'école, quand plus jeune, les métis, ils se faisaient abuser. Puis je pense que nos parents, ils voulaient nous protéger, fait qu'ils ne nous ont pas dit qu'on était métis. À part de ça, il y a beaucoup de métis dans ce temps-là qui ne s'identifiaient pas à cause de Louis Riel. Comme Louis Riel, il s'était fait pendre, alors c'est les gens, ils voyaient les métis comme pas du bon monde. Alors, on ne disait pas qu'on était métis. Mais ma grand-mère, elle faisait un smudge, puis elle nous a jamais dit pourquoi, puis c'était quoi. Tout ce qu'elle disait, c'est, on disait, mais
pourquoi tu fais ça, maman? Puis on appelait ça faire de la boucane. Puis elle nous disait, je fais ça parce que je suis malade. Mais je suppose que pour elle, chasser les énergies négatives, c'était les énergies négatives, c'était comme une maladie. Alors, en disant ça, on n'était pas obligé d'expliquer le smudge. Puis moi, plus tard dans la vie, quand j'ai fait un smudge pour la première fois, puis j'ai senti la fumée, j'ai dit « Ah, oh, ma mère Perrault! » Et puis là, j'ai compris qu'est-ce qu'elle faisait puis pourquoi elle le faisait. Alors, c'est intéressant, la façon qu'on apprend les choses, des fois. Ben oui, mais oui, ma oui. grand-mère, elle ne nous a jamais raconté beaucoup. Non. Mais elle connaissait les plantes, là, comme, tu sais, quelles plantes guérissaient telle chose, mais elle ne nous a pas enseigné ça non plus. Non. Ça, elle ne vous a pas enseigné ça pourquoi, comment ça s'est passé? Parce que il n'y avait pas d'intérêt des enfants ou que... Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Elle le faisait. Hein? Si on avait été attentif, on aurait appris en la regardant faire, mais on ne t'a pas intéressé. Là. On n'a pas appris comment utiliser les plantes. Mm. Toi, tu fais des consultations chez vous, des écoliers qui viennent te voir, puis tu fais des cérémonies de tambour et de santé. Ça fait que pourrais-tu nous expliquer c'est quoi tu fais avec tes cérémonies? Ben, maintenant, tu as un tipi, là, tu pourrais-tu nous expliquer tout ça? Je recevais surtout des groupes. Et puis, j'ai acheté un tipi parce que, puis je l'ai mis sur une plateforme parce que des fois, quand un groupe réservait pour venir puis il ne faisait pas beau, ben ils venaient à ma maison. Mais ma maison n'est pas si grande que ça. Alors, j'ai pensé, si j'ai un tipi, je peux faire mes groupes à l'intérieur du tipi. C'est un beau gros tipi, comme il y a 24 pieds de diamètre. Alors, je vais pouvoir faire... du tambour à l'intérieur, puis raconter mes histoires, puis donner des enseignements. Puis j'offre aussi des cérémonies autour du feu. Puis autour du feu, c'est surtout des cérémonies de reconnaissance. On reconnaît ce qu'on a reçu, puis ce qu'on a. Après ça, ben, je fais des cérémonies à la terre, puis à la rivière, puis à la pleine lune. Tout ça. Moi, c'est ça. Puis le tambour, ben, c'est bizarre comment c'est arrivé parce que je suis allée une fin de semaine à une grand-mère métisse, une grand-mère autochtone qui avait une fin de semaine de... Alors, je suis allée, puis c'est là que j'ai fait mon premier tambour. C'est un petit tambour. Et puis là, elle nous a donné l'enseignement du tambour. Puis je suis retournée une deuxième fois. Et puis, là, il y avait des jeunes filles qui jouaient le gros tambour le soir. Puis j'étais stationnée assez loin, mais j'entendais ça, puis je trouvais ça beau. Quand je suis revenue à la maison, j'ai dit à mon mari, « Oh, il faut que mes ancêtres me demandent d'avoir un gros tambour. » Parce que dans plusieurs communautés, ce sont les hommes qui vont autour du tambour, puis ils n'acceptent pas les femmes. Puis je respecte ça, eux autres, c'est ça qu'ils croient, je respecte ça. Mais moi, mes ancêtres me demandent de ramener les femmes et les enfants au tambour. Puis le tambour, c'est vraiment un moyen de guérison. Quand tu frappes le tambour, tu peux libérer tes sentiments négatifs, colère, dépression, tristesse. Et puis, quand tu joues doucement, bien là, la paix revient parce que tu as libéré tes sentiments négatifs. C'est comme ça que j'utilise. Tu m'avais dit une petite histoire du garçon qui avait cassé le bâton sur le tambour. Ah oui! Bien, c'était une classe de 8e année, mais il y avait un jeune garçon qui jouait tellement fort le tambour qu'il a brisé un bâton puis il est vraiment, il était triste, il vient me voir, puis il dit, « Oh, madame, regarde, j'ai cassé un bâton. » Puis j'ai dit, « Inquiète-toi pas,
Des bâtons, je peux en faire un autre. Mais toi, si tu es fâché, puis tu vas dehors, puis tu frappes les autres, bien, c'est moins le fun. Mais avec ton bâton, là, tu libères ta colère, puis après ça, tu pourras être plus calme. Et puis là, j'y ai donné un autre bâton, puis il s'est mis à jouer de façon calme. Puis physiquement, j'ai vu comment est-ce qu'il se sentait mieux. Premièrement, il ne se sentait pas coupable d'avoir brisé un bâton parce que j'avais dit que c'était correct. Et puis, il avait libéré un peu de sa colère. Je ne dis pas que ça libère pour tout le temps, là, mais si une personne le fait régulièrement quand ils sont fâchés, éventuellement, ils vont avoir moins de colère à l'intérieur. Oui, oui. Et ça, c'est une forme de thérapie que tu fais là, avec beaucoup de gens. Là. Oui, et c'est une forme de thérapie, puis c'est pas à cause de moi, je dis, c'est à cause du tambour. Et puis le tambour aussi, c'est comme le battement de cœur de la terre, puis quand on le fait, on dit à la terre qu'on l'aime, puis qu'on va en prendre soin. Moi, je suis vraiment pro-nature, pro-environnement. Oui, je trouve que les humains, on a beaucoup abusé la terre avec nos produits chimiques, puis nos déversements d'huile, puis nos bombes, puis tout ça. Alors, il faut commencer à reconnaître que la terre, elle nous nourrit tous les jours de notre vie. Elle nous donne des plantes, elle nous donne des animaux. Alors, il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin. Puis la terre, ça inclut l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Si on n'avait pas d'eau, là, on ne vivra pas longtemps. Oui, oui. Puis les plantes non plus ne vivraient pas, puis les arbres non plus, puis les animaux non plus. Oui, oui. Quand tu vis sur une ferme, en dehors de la ville où tu demeures, là, puis Non, c'est pas une ferme, c'est juste 15 acres de terrain sur le bord de la rivière. Ouais. Il y a beaucoup de chênes, puis il y a un peu de forêt. Puis là, j'ai installé mon tipi dans le milieu de la forêt. Comme ça, tu as toute l'énergie des arbres, puis c'est calme, puis c'est tranquille, puis c'est un peu protégé des grands vents. Oui, c'est bien. Puis, j'étais jeune, on vivait sur la ferme. On avait une ferme laitière quand j'étais jeune. Oui. Dans ma famille, on avait 12 enfants, 6 gars, 6 filles. Ah, une grosse famille. Quand je dis qu'on n'avait pas de tradition, on mangeait de la viande sauvage comme du chevreuil. Et puis l'hiver, mon frère, il étendait des collets, puis il attrapait des lièvres, puis on mangeait du lièvre. Puis, à 12 enfants, il faudrait trouver des façons de se nourrir. Puis ma mère, elle faisait un grand jardin, oh mon Dieu, un grand jardin. Elle faisait du canage, puis tout ça. Ça, puis, j'ai eu une enfance heureuse, en fait. Hein? Oui. Du lièvre avec une sauce blanche. Pardon? Du lièvre avec une sauce blanche. J'ai pas compris. Du lièvre avec une sauce blanche. Ah oui, du lièvre avec une sauce blanche. C'était de la pâte de pain qu'elle mettait dans la sauce, puis ça faisait comme des dumplings en anglais. Oh, oui, oui, oui. Puis on aimait ça. On aimait ça, c'était vraiment bon. C'est ça. Puis toi, tu as toujours parlé français. Puis, J'ai toujours parlé français, mes frères, mes soeurs. Pardon? Mes soeurs parlent tous français. Puis j'ai 4 enfants qui parlent français, puis j'ai 13 petits-enfants qui parlent français aussi. Alors, je me compte chanceuse. Parce qu'au Manitoba, c'est pas toujours facile de parler français puis d'apprendre le français. Surtout que quand j'ai commencé l'école, moi, c'était illégal d'apprendre le français. Nous autres, on trichait à Saint-Malo. Tout le monde parlait français. Mais quand l'inspecteur anglais venait, on cachait nos livres français. On avait une armoire avec une clé, mais on cachait nos livres français. Oh là là, on était des hors-la-loi. Des hors-la-loi. Mais
comme ça qu'on a... Et puis, on avait, à la fin de l'année, on avait un examen français pour tous les niveaux, ben pas grade. Ça commençait à la quatrième année. On avait un examen français, puis on faisait ça le samedi, parce que on ne voulait pas se faire attraper un jour de semaine, là, que l'inspecteur arrive pendant l'examen. Et puis, c'était vraiment une journée spéciale. On s'habillait, comme on dit, en dimanche pour aller écrire notre examen français, tu crois? Mais c'est ça qui nous a donné, qui nous a fait valoriser la langue française. Oui. Parce que quand j'étais jeune, il y avait des métis qui parlaient le métif. Et puis les sœurs, ils tapaient ses doigts puis ils disaient « Vous ne parlez pas un bon français, vous ne parlez pas bien. » Et puis, il y en a beaucoup qui ont arrêté de parler le métif puis ils se sont mis à parler l'anglais puis ils ont perdu leur langue. Mais nous autres, on l'a gardé. Chez vous, toi, tu dis que tu ne parles pas métif, mais dans ta famille, est-ce qu'il y en a qui parlent métif? Ben, j'avais une tante qui parlait métis, mais nous autres, dans, mes frères et sœurs, on ne parle pas. Ben, on parlait le joual québécois, là, mais maintenant, après, je suis devenue enseignante, alors je me suis pas. J'ai commencé à mieux parler français. mais j'avais une tante qui parlait métis, puis j'allais donc ça l'écouter. Je trouve que la langue métis, ça a une belle musicalité, ça a un bel accent. Mais moi, je ne suis pas capable de parler métif. J'ai une amie qui le parle assez bien, puis j'aime ça l'écouter aussi. Quand elle parle métif, tu la comprends? Des choses qu'on fait. Pardon? Tu dis, quand elle parle métif, on la comprend? Oui. Tu la comprends qu'on trouve, c'est beaucoup l'accent, puis comme moi, je dis métisse. Puis ma tante, elle disait « Métis ». Moi, je parle « Métis ». Alors, tu vois, c'est juste l'accent, mais on comprend. On comprenait ce qu'elle disait. Ouais. Mais là, c'est le seul mot qui me vient à l'idée, là, mais ouais, c'est bien. Oui, c'est ça. À part de ça, c'est chez vous, les enfants, là, ils, comme c'est là, ils ont... Les enfants chez vous, ils apprennent à parler, ils parlent français, ils parlent anglais. Ils sont bilingues, là? Les petits-enfants, oui, tout bilingues. Ils sont bilingues. Les plus jeunes, là, ils ont tendance à parler plus souvent anglais, mais ils savent que quand ils viennent chez ma mère, ils me parlent français. Ils parlent toujours français. Mais c'est à l'école que les jeunes, tu sais, avec les autres, mais ils sont bons, ils ont du bon français. Comme ma petite fille, elle vient de graduer à l'Université Saint-Boniface, en français. Puis elle veut devenir enseignante, puis elle va enseigner en français. C'est bien. Ben, c'est bon, ça. C'est important, je pense, qu'il y ait les deux langues. Ah oui, gros avantage, je suis certain, avoir les deux langues, parce que tu peux, on communique avec beaucoup plus de personnes, puis on fait plusieurs amis de cette manière-là. Puis, toi, on a parlé... Continue. Oui. À part de ça, quoi? Mon français et mon anglais sont bien parlés et écrits. Je suis assez bonne. Oui. Parce que mes histoires que j'écris, sont mes livres, ils vont être en français, en métis, puis en anglais. Et c'est quelle sorte d'histoire que tu écris? J'écris des histoires sur les 7 enseignements sacrés des Premières Nations. Puis j'ai écrit 2 histoires au sujet du canot en écorce de bouleau. Et puis j'ai écrit une histoire qui va être publiée comme un livre pour enfants qui s'appelle « L'étang qui n'est plus ». En anglais, on appelle ça la swamp, là, mais c'est l'étang qui n'est plus. Et puis c'est pour montrer aux enfants comment quand on détruit quelque chose, ça détruit pas juste l'étang. Ça détruit les grenouilles dans l'étang, puis les couleuvres, puis les tortues, puis tout ça. Alors c'est pour
En même temps, c'est pour donner les enseignements parce que chez les Premières Nations, c'était les aînés qui donnaient l'enseignement aux enfants. Et puis, ils donnaient l'enseignement en racontant des histoires. Et à la fin de l'histoire, il y avait toujours un enseignement. Et puis, alors moi, on a perdu cette tradition-là avec les écoles résidentielles et tout ça. Alors moi, je veux ramener cette tradition de raconter des histoires. Puis là, je les écris parce que je dis, quand je vais mourir, on va perdre mes histoires. Mais mes histoires, il y a toujours un enseignement à la fin. En parlant d'école résidentielle, est-ce qu'il y en a de ta famille qui ont été à l'école résidentielle? Pas la famille immédiate, là, mais mes ancêtres, je ne le sais pas. Mes ancêtres, je ne le sais pas. Je sais que quand je fais des exercices de réconciliation, des fois, je suis très perturbée parce que je crois à la mémoire du sang. Puis je pense que j'ai des ancêtres qui sont allés aux écoles résidentielles. Puis parce qu'ils sont morts sans régler tous ces sentiments de colère, de haine et tout ça, bien, c'est nous autres qu'il faut les régler. Autrement, ils ne seront pas réglés. Oui. Alors moi, je pense que des fois, je vais régler les sentiments de mes ancêtres pour que mes enfants et mes petits-enfants ne soient pas obligés de le faire. T'sais? Si moi, je le fais, eux autres, ils vont pouvoir aller de l'avant sans avoir à faire ça. Bon. C'est une des choses que je fais. Oui, oui. Et ça, tu fais partie, on a parlé un peu la dernière fois sur l'Union nationale de Saint-Joseph. Oui. L'Union nationale, en fait, c'est un organisme qui avait commencé avant que Louis Riel meure, mais ça ne s'appelait pas l'Union nationale. C'était juste une association de métis francophones. Et puis après que Louis Riel est mort, bien, les amis de Riel ont dit, OK, on va s'appeler. Ils ont changé le nom à l'Union nationale métis Saint-Joseph du Manitoba, parce que Saint-Joseph, c'était le patron de Louis Riel. Alors depuis 130 ans, peut-être 140 ans, peut-être, ça existe. Puis ça a toujours été des bénévoles qui ont travaillé à l'Union. Toujours, toujours. Encore aujourd'hui, des bénévoles qui font l'Union. Puis moi, je crois sincèrement que si ça n'avait pas été des métis francophones, je ne suis pas sûre qu'il y aurait encore du français au Manitoba. Parce que c'est important pour nous de se réunir puis de préserver le français. Puis c'est pour ça que l'Union, c'est francophone. C'est francophone. Puis on n'est pas reconnu par la Manitoba Métis Federation. Parce qu'ils ne veulent pas nous donner d'argent. Exactement. Bon, mais je crois sincèrement qu'il y a des métis partout sur l'île de la Tortue. Partout en Amérique du Nord, il y a des métis. Parce que les voyageurs, ils voyageaient partout. Et puis les métis aussi, ils voyageaient partout. Alors, tu sais, je ne sais pas comment le Métis National Council fait pour décider qu'un territoire délimité, là, c'est juste ça, la nation métisse. Moi, je ne crois pas ça. Pourquoi qu'on a un territoire limité? On est partout. Puis je reconnais tous les métis. Au Québec, au Maritime, en Ontario, en Colombie-Britannique, même aux États-Unis, il y a des métis aussi. Alors, mais c'est pas moi qui contrôle, là. Oui, oui. Je te remercie beaucoup. Hein? Je te remercie beaucoup. Pardon? Je te remercie beaucoup. On va, okay. Puis on est arrivé à la pause, là. Ça fait qu'on va s'en parler plus tard. Puis merci, là. OK, c'est beau. C'est beau. Je peux te charmer, là? Oui.